Hey yo, Catel Panama. Ouais, ok, j'ai chicoté partout en même temps. Je sais pas si vous allez comprendre ce que j'ai dit, donc je répète. Hey yo, Catel Panama. Oh, wow. J'ai fait un petit remix. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Mais avant de vous dire pourquoi elle est particulière, je vais introduire le gameplay. Oui, donc c'est un 75 kills en domination sur la map Strike Zone en assaut. Je joue avec l'IMS, la tourelle et le Hind. C'est ça le nom? Oui, c'est ça. Voilà, bonsoir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cette vidéo est là pour vous présenter une nouvelle série qui s'appellera je ne sais pas comment et me pose pas de questions, espèce d'enculé. En fait, je sais pas encore le titre, j'ai pensé à un truc genre cartel le cinéaste, non. Non, je sais pas. Enfin, en gros, je vais vous parler du cinéma. Et oui, pourquoi je vous parlerai du cinéma? Tout simplement parce que j'ai fait une école de cinéma et j'adore, voilà, ces temps surtout, je suis à fond dans le cinéma, je mate beaucoup de films, de vrais films, considérés comme des vrais films, voilà. Enfin, beaucoup de films, et puis j'essaye de... Enfin, bref, voilà, c'est pas l'intérêt de la vidéo, là. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire en gros, qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce que le vrai cinéma? Voilà. À la base, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va devenir? Enfin, non, parce qu'est-ce que ça va devenir, parce que sinon après ça va partir trop loin, mais qu'est-ce que c'était le cinéma? Enfin, qu'est-ce que la définition du cinéma? Qu'est-ce qu'on apprend en école, en gros? Voilà, à la base, quand tu rentres dans l'école, on te dit ça, voilà. Donc, on va commencer tout de suite, parce que là je vais commencer à m'emmêler le pinceau, parce que je dis de la merde. Bref. Donc, le cinéma est un art créé en 1895, 1895 pour les gens qui ne parlent pas français. Donc, par les... art créé en... Enfin, le premier film a été filmé en 1895 par les frères Lumière, qui sont des ingénieurs français qui ont eu un rôle primordial pour ce qui est de la photo et du cinéma. D'ailleurs, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur la photographie si ça vous intéresse. Dites-moi dans les commentaires, hein, toujours, là, j'ai besoin de vous plus que jamais dans les commentaires. Donc, oui, les frères Lumière, il y avait, attention, ce nom, attention, je ne sais pas quel prénom il utilisait dans la vie, mais il s'appelait Auguste Marie Louis Nicolas Lumière. Voilà, juste postulat de base, le mec a 4 prénoms, voilà. Normal, le mec. Salut, Auguste Marie Louis Nicolas Lumière. Rien que ça, il était hors forfait, le mec qui lui a envoyé un texto. Hein. Ouais, bref, voilà. Donc, lui, il est né en 1820. Bref, on s'en bat les couilles, en fait, de quand il est né. Son frère Louis-Jean, ben, voilà. C'est eux qui ont filmé le premier film. Qui est, en fait... un premier film. On peut pas dire que c'est un film, mais c'est la première fois qu'on a utilisé une caméra. Et c'était à la Ciotat. Vers Marseille, bonne mère. Et en fait, ils ont filmé un quai de train. J'ai vu vite fait 40 secondes. C'est plutôt marrant parce qu'il y a le vieux piano, les gens qui sont. Voilà. C'est marrant. Enfin, voilà. Sachant ce qu'on fait maintenant avec des caméras. Voilà. Bref. Et donc, petit à petit, hein, donc, le cinéma a été élevé au rang d'art. C'est devenu un vrai art, pour ça qu'on l'appelle le 7e art. Et pourquoi le 7e art? Bah tout simplement, parce qu'il y en avait 6 avant. Donc les 6 premiers c'était l'architecture, ensuite la sculpture, la peinture, la musique, la littérature, enfin entre parenthèses poésie aussi, je veux dire. Mais bon, c'est de la littérature, la poésie. Voilà. Et ensuite c'est ajouté la cuisine et le cinéma donc. Et pourquoi dit-on que c'est un art? Bah tout simplement parce que le but du cinéma, bah déjà avant il était muet. Donc c'est avant tout le cinéma un travail d'image, sur l'image. Tout ce que vous voyez à l'image veut dire quelque chose. C'est comme
Enfin, c'est compliqué. En fait, tout ce que vous voyez, tout objet a une signification. Ça, d'ailleurs, j'ai quitté l'école avant de savoir les significations de chaque objet, mais j'en sais quelques-unes. Enfin, voilà. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc, tout ce que l'on voit à l'écran a une signification. C'est important de préciser aussi que ce que l'on voit, c'est la vérité. Donc, c'est ce que m'a dit mon prof. Hein. Premier jour de cours, notre prof, il nous a dit « Ce que vous entendez, c'est du mensonge. Tous les dialogues sont des mensonges. Si vous n'avez pas la preuve visuelle, eh ben, c'est du mensonge. » Voilà, tout simplement. Faut pas se fier à ce qu'on entend, mais à ce qu'on voit au cinéma. Enfin, pour les vieux de la vieille, je vous conseille, puis même pour les jeunes, regardez Usual Suspect. Voilà. Je vous mettrai un lien full stream ou un truc dans le genre en description. Bref. Et donc, tout ce que l'on voit à l'écran, c'est écrit... c'est écrit dans le scénario. Et donc, le scénario sera donc le thème de la prochaine vidéo. Enfin, ce sera le synopsis, le scénario, etc., etc. Qui sont d'ailleurs des thèmes plutôt intéressants, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que les définitions exactes des synopsis. J'ai vu beaucoup de gens sur des sites de streaming qui disent « Nanana, mais ça spoil, nanani, nanana. » Sauf que voilà, bref. Au cinéma, le mot spoiler, c'est complètement useless, parce qu'on s'en bat les couilles de l'histoire, en vrai. C'est l'image qui nous intéresse, donc si on connaît la fin du film, nous, on s'en fout. Ça ça nous aide dans notre analyse, donc voilà. Bref. Voilà. Donc j'ai fini par rapport au cinéma. Il nous reste 6 minutes de gameplay. Enfin, il nous reste un peu de temps. Donc, déjà, j'ai besoin de vos retours et de me... Dites-moi si ce concept vous plaît. J'avais une autre idée de concept, sauf que je sais pas si j'aurai le temps de tout mettre en place, sachant que je pars le 13 avril et que je reviens le 24 août. Voilà. Donc, on verra. Si j'ai le temps ou pas, sinon je reprendrai quand je reviendrai, même si on me vole les idées, je m'en bats les steaks, comme ça vous êtes prévenus. Donc je voulais faire ça sur des... Je voulais faire des vidéos à thème, sur des thèmes de culture générale, enfin de... Oui, de culture générale, on va pas... Appelons un chat un chat, mais des choses qui m'intéressent particulièrement, des choses que j'ai pu voir dans des jeux vidéo, etc. Ce serait divers sujets... Je sais pas, je pense tout de suite là, la baleine blanche, parce que dans Assassin's Creed Black Flag, il y a la baleine blanche et on la chasse. Enfin, voilà, d'où ça sort, qu'est-ce que la baleine blanche, nanani nanana. Donc voilà. Après, voilà, donc ce serait le premier thème. Ensuite, j'avais aussi pensé à vous parler de Michael Myers, enfin, de la série Halloween, en gros, parce que j'ai regardé que le 1 et le 2, parce que le 3, il est pointless. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a aucun intérêt. Vraiment nul à chiacre. Enfin, bref. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est les seules idées que j'ai pour l'instant. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo avec Obno, nous allons faire le knifing pour les noobs. Comme les livres, là, Nanani pour les nuls. Sauf que nous, ce sera le bankshot pour les noobs. Donc on va vraiment s'y mettre bien, bien, bien. On va essayer d'être le plus clair possible, de travailler la vidéo à max. Et voilà. Alors, c'est tout par rapport à mes projets. Ensuite, oui, je voulais réagir par rapport à l'arrêt de mon ami Push sur YouTube, qui a mis fin à sa chaîne YouTube, donc qui a tout supprimé. Et tout ça pour dire que c'est lui faire en gros un au revoir youtubesque, quoi, parce que je lui parle encore, hein, on se parle sur Skype, enfin on est dans la même team, quoi. Et puis même c'est mon poteau, enfin. Si ma gueule, t'as eu. C'est ma bite au boursin, bref. Oui, donc je voulais réagir par rapport à ça. Et lui dire bisous mon gros, j'espère que tu likeras quand même mes vidéos, sinon je vais pas gagner d'abonnés. Là, je rigole. Bref, ça je m'en fous, hein. Vous savez très bien, c'est pas les abonnés qui comptent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'échange, hein. Et je vous dis pas ça pour polir le chibre, etc. Bref, de toute façon, si j'ai un truc à dire, je vous le dirai, hein. Voilà, bref, parenthèse finie. Donc,
ça me rend, enfin ça m'a fait un peu bizarre de voir cette vidéo. Ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même, parce que c'est une aventure qui dure depuis 2 ans. Hein. C'est pas rien, hein, 2 ans quand même. Il y a beaucoup de choses, on dit beaucoup de choses en 2 ans, on en fait de la merde en 2 ans, bon, voilà. C'est quand même une trace qu'on laisse, enfin, même s'il a supprimé ses vidéos, enfin, il restera quand même dans nos cœurs, si on veut être cucu un peu. Donc, ouais, ça m'a un peu attristé, enfin, attristé, c'est un grand mot, ça reste que du YouTube. Hein. Donc, en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que. En fait, au début, il y a 2 ans, j'étais son fanboy number one. Enfin, j'étais là, je lui envoyais des messages, je disais tout le temps: Ah, Push, t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus intelligent, nanana. Ensuite, il avait fait la pub de Leeok sur YouTube, et donc du coup, je m'étais inscrit. C'est là où j'ai donc rencontré Obno et tout ça. Et on a créé ensuite la INK. Voilà, ça fait bizarre de voir le mec qui t'a donné envie de commencer le couteau, qui a la base de ta rencontre avec tes potos actuels, partir comme ça du jour au lendemain. Enfin, pas du jour au lendemain, puisqu'il m'en a parlé depuis un moment, qu'il voulait arrêter, que ça le saoulait de faire des vidéos dans le vent. Enfin, après, je le comprends. Hein. Voyez, voyez. Puis je me suis, c'est de là aussi que je me suis dit, bah, autant faire un truc qui me plaît. Que ça aide des gens s'ils sont, je sais pas, ils veulent commencer une école de cinéma ou ils ont des problèmes pour des définitions ou autre. Je peux essayer de vous aider, enfin voilà. Essayer d'aider à mon échelle, voilà. Et donc, merci Push. J'ai que ça à dire, merci Push, gros bisous à toi et voilà, on va finir la vidéo sur. sur cette touche d'émotion! Bref, j'espère que le gameplay vous aura plu, j'espère que le commentaire vous aura plu, j'espère que le sujet vous aura plu, j'espère que j'aurai pas été trop chiant, parce que c'est vrai que je suis moins parti en couille que d'habitude, parce que évidemment c'est une vidéo à thème, avec un sujet, etc. J'ai essayé quand même de rendre ça un peu fun pour pas que ce soit hors relou, cucu la praline, etc. Bref, bon, sur ce, je vous dis. Peace out les gars, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous voulez que je continue ma série ou pas. Peace out!